Michel Polnareff commence le piano à l'âge de 4 ans. Il est le compositeur et
Et la musique de musique ancienne est écrite avec.
Thank you.
Nous allons maintenant vous interpréter une œuvre de style complètement différent, puisqu'il s'agit de musique médiévale. La première partie s'intitule « Le troubadour ». Il s'agit d'un thème dansant, alliant les mesures à 6-8 et à 9-8. Bien que les nouveaux chants des troubadours font pleurer les beaux yeux des dames de l'assistance, celles-ci trouvèrent ces chants si beaux qu'ils durent leur dire. La deuxième partie s'intitule « Les croisés ». Il s'agit d'un thème d'allure martiale, alliant les mesures à 4 temps et à 2 temps. Lorsque l'armée des croisés s'enfuit combattre les infidèles, le son des tambours et des trompettes se mêlait au chant de guerre des soldats et au cantique des prêtres en un grand concert. Voici Esquisse médiévale de Maurice Fayolle. Thank you.
En 1936, le petit homme, le petit vagabond, créé par Charlie Chaplin, était depuis déjà plus de 20 ans le personnage du célèbre livre. Immédiatement reconnaissable et internationalement. Quand Charlie Chaplin chanta cette chanson dans les temps modernes, c'était la toute première fois que le monde entier entendait sa voix. Après 20 ans de pantomime, écoutez le thème de ce dernier.
fait chanter la première fois en 1902 à l'occasion du couronnement d'Édouard XVI et est devenu presque aussi populaire en Angleterre que l'hymne national. Elle a souvent été jouée lors de la remise des diplômes et ce pour la première fois à l'Université de Wales en 1905. Le titre provient de l'acte 3 d'Odette.
à Vienne est l'époque du crinoline, des valses et des opérettes. On aime le spectacle, on y accourt, et les militaires costumés qui défilent attirent les foules. Toute une musique est consacrée à ces fêtes. Franz Schubert a écrit une douzaine de marches. Thank you.
partir en commun. Donc, on va partir sur un rythme un peu plus engagé, disons, que vous connaissez certainement tous, parce que l'auteur était un immense compositeur et parolier, c'était Georges Brassens. Donc, voici pour nous guider un morceau pour partir en commun.